Bonjour à tous. Alors, ça a l'air bon. Je vais ouvrir le chat audio Mumble. Je vais vous laisser OK au niveau du son et de l'image. Désolé pour les 7 minutes de retard. Donc, on est parti pour une heure ensemble de trading transparent avec mon compte géré. Donc, vous pouvez suivre les résultats à tout moment. Pour mon compte géré, le compte que je gère. Vous pouvez suivre les résultats à tout moment en cliquant sur le résultat du compte au-dessus du canal de diffusion de l'émission. C'était plutôt une bonne journée aujourd'hui. Donc, on va voir ce qui s'est passé, comment on peut évoluer. Je vous rappelle que participer à l'émission, merci Cédric d'avoir confirmé que c'était OK au niveau du son et de l'image, de plusieurs manières. Soit le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission, soit le chat audio. Donc il y a peu de monde en ce moment parce que c'est le mois d'août. Mais vous verrez qu'à la rentrée, je vous rappelle qu'on passera de seulement le soir de 18h à 19h à toute la journée avec des tranches horaires, je pense, qui seront de 9h à 11h30, voire midi, et l'après-midi de 14h, voire 13h30 si on a les nouvelles à 13h45. Des chiffres macroéconomiques jusqu'à 17h30, puis 8h-19h. Donc, en gros, quasiment toute la journée, on sera en train de trader ensemble tout au long de la semaine. Donc, ce sera assez intéressant. Sauf les jours où j'aurai des événements comme des interviews, des salons, etc. Donc, voilà. Et ce sera intéressant parce que ce sera une vraie salle de marché. On échangera, etc. Là, il y a deux personnes actuellement sur le Mumble. Vous entendez régulièrement Mips. Il faut également Barchforine qui est là. Salut Mips, salut Barchforine. Et n'hésitez pas à participer par audio. Alors, ça, on avait vu, donc tout est bon. Alors, actuellement, on a une équité qui est à 10 400 euros. Donc, on a eu tendance à avoir un écart qui s'était creusé ces derniers temps entre notre balance et l'équité. Là, ça se resserre. Donc, on perd 161 euros sur l'ensemble des positions ouvertes. On a une balance pardon, qui est à 10 565 euros. Alors, on va aller voir qu'il y a eu une arrivée à échéance du contrat sur le VIX, qui est dommage, qui nous a fait perdre de l'argent. Pas beaucoup, mais voilà, c'est toujours pénible. Ça, c'est le trading, hein, il faut le prendre en compte, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller voir. Alors, on va commencer par les produits sur lesquels on gagne, voir si on doit prendre nos bénéfices. Et si oui, enfin voilà. Alors, hier, on se rappelle qu'on avait pris position à la vente sur NZDUSD. Bon, bah, c'était une idée plutôt intéressante, puisque actuellement, on gagne 60,47 € avec un swap négatif de 58 centimes. On va aller du côté de NZDUSD, voir cela de plus près. Voilà. Donc, NZDUSD. Alors, on se rappelle pourquoi on a pris position, parce que la tendance de fond était baissière, on avait une phase de correction, les vendeurs qui revenaient assez franchement, et aujourd'hui, le mouvement de baisse s'est poursuivi. Donc, très bien, on est en pleine impulsion, donc on laisse courir. Alors ensuite, on a l'euro-dollar sur lequel on est acheteur qui se passe bien. On va jeter un coup d'œil. Euro-dollar ici. Alors, les raisons. Bah, hier, vous vous rappelez, je voulais fermer parce qu'on n'avait plus beaucoup d'impulsion. Et là, ce jour, on a une très belle impulsion. Donc, très bien, on laisse courir, un peu comme sur NZUSD. On est en tendance de fond haussière sur une impulsion haussière. On est parfait, on laisse courir. Alors, on a le Dow Jones sur lequel on est vendeur. Dow Jones qu'on va avoir ici. C'est pas top. C'est pas top. C'est peut-être un peu tôt pour clôturer. Ça fait chier parce qu'on a eu fait des erreurs, etc. sur Dow Jones. Bon, c'est pas très grave. On va pas revenir sur le passé. Vous pouvez regarder les émissions précédentes pour voir les erreurs techniques qu'on a subies. Ça, c'est la vie. Actuellement, pardon, on gagne 59 euros. Bon, la tendance de fond est très clairement haussière, hein, donc là c'est quand même un contexte assez spécifique que de vendre les marchés actions américains. C'était surtout pour du fondamental. On l'avait déjà fait à plusieurs reprises, on n'a pas pu rentrer correctement. Là on a pu le refaire. Pourquoi il y a un buy stop ici d'ailleurs? Ah oui, d'accord, c'est plus lycée. Ouais, donc on est toujours en impulsion. Il y a eu une très grosse bougie la dernière fois. Ce jour on a quand même été bien baissé en Europe. Dans les acheteurs qui essayent de revenir, mais la dynamique est plutôt à la baisse. Donc ça ne me dérange pas plus que ça qu'on ait un léger retour. Pour moi, la dynamique reste baissière, donc je laisse courir sur le Dow Jones ici. Il y a des convictions fondamentales qui vont plutôt dans ce sens aussi, donc ça vient un peu approuver. Par exemple, si je dirais que dans l'ensemble, j'ai plutôt des convictions haussières fondamentales, le technique ici montrait une certaine accalmie, je sortirais. Là, vu que ça va plutôt, mes convictions vont plutôt dans le sens de l'impulsion de fond, je laisse courir. Voilà. Alors, on a une position à l'achat sur l'euro face au dollar canadien. Alors, il est où notre euro face au dollar canadien? Eurcad, voilà, qu'on a ici. C'est assez intéressant, l'euro face au dollar canadien. Alors, vous vous rappelez, c'était un produit sur lequel on avait pris position en suivant la tendance de fond et sur impulsion. Ici, on avait tradé la cassure. D'ailleurs, on a vu des difficultés, il y avait une phase de correction. On a sorti un tiers de la position, ce qui nous avait amené à prendre une perte de 37 euros. Et là, on a une impulsion haussière très forte. On casse les précédents plus haut. Et donc on est sur une impulsion assez forte. Donc là on est très bien, on casse des précédents plus haut, en pleine impulsion. On laisse courir. Est-ce qu'il y avait de la résistance proche? Potentiellement oui, un peu au-dessus. On va pouvoir la tracer. Mais il n'y a rien de fou quoi.
Donc, on est un peu l'impulsion, c'est parfait. Et de toute façon, on en est encore loin. Donc, même si on rentre dedans, on prendra déjà un beau bénéfice. Donc, voilà, 37 € de prix sur le premier tiers sorti. Et on a 25 € de profit en cours. On a un swap négatif de 1,57 €. Voilà. Donc, on laisse courir hein, pour le moment. Alors, ici, sur le Nikkei, on gagne 19 €. Donc, on va voir le Nikkei de plus près. Nikkei, c'est pas top hein, ce qui se passe. Donc, je vais peut-être amener à le fermer le Nikkei si. Si je vois que ça traîne trop, on a déjà la position à la vente sur le marché américain, ça fait doublon comme position, donc à ce moment-là, je n'aime pas avoir des doublons, je préfère sélectionner l'un des deux, même si quand même le marché japonais était bien spécifique ces derniers temps par rapport au rachat, enfin non, justement à la dévaluation du yen par sa banque centrale, la Bank of Japan. Alors, le Nikkei. Le Nikkei, la dynamique est plutôt baissière. Là, on n'a pas de recul. On l'a vu à plusieurs reprises lors des émissions précédentes, puisque là, en fait, c'est sur un futur. On n'a pas beaucoup de recul chez Active Trades. Mais si on va chez un. Enfin, si on va sur Yahoo Finance ou enfin, une compagnie qui voit des graphiques plus longs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés japonais? Ben, un peu comme sur les paires relatives au yen. Ben, en général, le dollar, par exemple, s'est beaucoup évalué. Là, on a tendance à avoir une petite phase de correction. Là, moi, j'avais pris à la base sur Impulsion. Donc on avait eu, c'était ici, on avait trois bougies consécutives de baisse. D'ailleurs, ça avait bien corrigé, malheureusement. On avait presque d'ailleurs sorti un tiers de la position, mais ça n'avait pas été le cas. Ou je l'avais peut-être pris ici, voilà. Non, je l'avais pris ici. Donc pareil, sur tentative de valeur de revenir. Là, on revient dans la partie basse de la zone qui a été travaillée plusieurs fois. Il n'y a pas d'impulsion très franche. On a déjà une position à la vente sur le Dow Jones. Donc, à la limite, c'est pas des... plus intéressant. Alors, je peux tout à fait laisser courir, c'est pas incohérent. Mais il n'y a pas non plus de vraie raison d'être dedans. Donc je préfère stopper, me concentrer sur les marchés US, et si j'ai des bonnes impulsions, je reviendrai éventuellement sur le marché japonais, mais... Ou alors couper la vente sur le Dow Jones, mais à la limite, le Dow Jones avait proposé quelque chose de plus franc. Les deux peuvent très bien aller dans le bon sens, hein, mais si je dois sélectionner entre Nikkei et le Dow Jones... Je vais préférer rester vendeur sur Dow Jones, donc je vais couper cette vente sur le Nikkei. Voilà, ici. Hop. Voilà, donc on vient de couper la vente sur le Nikkei. On va également enlever les ordres en attente. C'est un peu long à chaque fois quand je fais l'émission en même temps de fermer les ordres, donc ça, c'est pas optimal, hein. Quand on est censé trader dans les conditions, heureusement que je fais du swing. Voilà, normalement tout doit être super fluide. Là, on voit qu'il y a quelques écarts. Ça rend pas les conditions optimales pour trader. Enfin, je sais notamment à la rentrée là, quand je vais reprendre, quand je serai à H24, enfin, pardon, mais quand je serai tout au long de la session, j'aurai notamment un des comptes qui sera un compte court terme, très court terme, enfin en court terme, oui, intraday. Là, je pourrais pas du tout me permettre d'avoir ces latences. Il faudra que je trouve une solution, soit fermer un maximum d'applications, soit acheter un PC, soit baisser la qualité du stream. Mais c'est clair qu'on ne peut pas se permettre voilà, d'attendre trois plombes, que la fenêtre d'ordre s'ouvre. Bon, sur Nikkei, on a pris 19,18 € de profit. Voilà, c'est un petit gain, c'est mieux qu'une petite perte. Mais finalement, 19,18 €, vous voyez, c'est la moitié quoi, de la perte d'un stop loss habituellement. Donc même si c'est un tout petit gain, et c'est pas ce qu'on visait au départ, ouais, c'est toujours ça de prix, donc c'est très bien. Ça réduit notre exposition. Alors, ici sur AUD/USD, on a actuellement vendeur avec 0 d'ILO. On a également à la vente sur NZD/USD. Donc, on va voir sur AUD/USD ce qui s'est passé. Alors, AUD/USD qu'on a ici. Alors, AUD/USD. Alors, déjà, on note que ça fait un peu doublon avec NZD/USD. La tendance de fond est plutôt baissière. Hier, on avait des vendeurs qui essayaient de revenir. Donc, on a pris position dans le sens de la tendance de fond sur une volonté des vendeurs de reprendre en main le marché. On est déjà à la vente sur NZDUSD qui a bien démarré. Hein, si on le regarde, NZDUSD qui est ici, on a une très belle bougie. On joue à peu près le même type de scénario. Donc quelque part, je vais fermer AUDUSD parce que je vois qu'on a beaucoup plus de mal à démarrer. Alors qu'on a la possibilité de prendre un petit bénéfice, donc de moins s'exposer. Et d'être exposé toujours sur NZDUSD qui lui a pris un très bon début. Et on a une très belle impulsion ce jour. Donc très bien. Un peu même logique hein, que ce que je viens de faire sur le Nikkei. Là, je vais couper AUD/USD. Alors, bon, c'est très long. À chaque fois, c'est pénible, mais bon. Voilà. Donc, AUD/USD, c'est fermé. Donc, on regarde dans l'historique. Voilà, on a pris 15,86 €. Et donc, AUD/USD, j'enlève les ordres en attente.
Ça m'énerve cette latence, ça m'énerve. C'est pas du tout comme ça que faut que ça fonctionne un compte de trading. Là, c'est. Ouais, je sais pas, c'est frustrant en fait. Pourtant, je m'en fous parce que c'est un compte démo. Parce que je dis, je m'en fous pas parce que c'est quand même le compte que je diffuse, ouais, et je diffuse clairement les résultats. Vous pouvez les suivre hein, à tout moment en cliquant sur le lien résultat du compte via MyFXBook au-dessus et en dessous du cadre de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Donc voilà, c'est important pour moi. Mais c'est surtout, je sais pas. Quand on trade, on doit vraiment être dans les conditions optimales. J'en parle souvent de ça. C'est déjà tellement dur de gagner de l'argent, même en ayant les conditions optimales, qu'on n'est pas là pour s'enquiquiner avec des petits problèmes. Tout ça doit être super fluide, tout doit être nickel au niveau de l'infrastructure. C'est déjà tellement dur. On n'a pas le temps de se prendre la tête avec autre chose. C'est pour ça que ça m'énerve. Alors je peux fermer des choses, hein. D'ailleurs je vais fermer. Je vais fermer quelques logiciels, voir si on gagne un peu en vitesse. Alors, je vais pas fermer n'importe quoi non plus. Mais voilà, il faut faire attention quand même. Alors, ça je vais fermer. Le robot que je. Enfin, le fournisseur de signal que je teste via Alpari UK et la plateforme MetaTrader 4. Je vais fermer également Excel. Ça va peut-être me faire gagner un peu de. Comment on a de mémoire vive. Voilà. Désolé, ça prend un peu de temps. Donc, on. Voilà, ça c'est bon. Et ça. Bon, bref, on va reprendre. Ok. Donc, on a fermé AUD/USD. Et est-ce que j'ai encore un produit là? Oui. AUD/USD. Voilà, c'est bon. Tout est fermé, hein, ce que je voulais fermer. Donc, c'est bon. On va voir si on gagne un peu de mémoire vive. Ok, donc là on a réduit le nombre de positions, on voit. Alors, maintenant au niveau des positions légèrement perdantes, on a AUD/CAD. Alors, AUD/CAD, AUD/CAD. AUD/CAD qu'on a ici. Donc la position de fond est vendeuse. La dynamique de fond est vendeuse. On a les acheteurs qui sont légèrement revenus. On a des vendeurs qui ont tendance à reprendre en main le marché sur les 23,6% de retracement de la tendance de fond baissière. C'est pas optimal hein, ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est un peu la même chose qu'on a eu sur l'AUD/USD. Donc en étudiant, salut Overload, tiens, Overload qui a rencontré quelques soucis je crois hier avec NZDCHF, si tu veux en parler ici, hein, nous demander notre avis, il n'y aura pas de conseils qui te seront donnés, hein, donc prends pas ce qu'on te dit comme des conseils, mais vous voyez, si tu veux notre avis par rapport à ce qui a été fait et sur la suite, n'hésite pas à nous le demander, à présenter ton souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte surtout. Avoir eu rencontré des phases difficiles, ça arrive à tout le monde. Je suis premier à l'indiquer. Vous avez pu le suivre au fur et à mesure des années hein, avec ces émissions. Vous avez également tous les résultats dans Stratégie Trading. Vous voyez dans le menu du haut. Là, vous retrouvez tous les résultats de mes comptes passés, dont beaucoup de comptes réels avec plusieurs milliers, voire parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros gérés. Voilà, donc en tout cas, au fur et à mesure des années, je pense savoir quoi je parle si je parle de gestion des émotions par rapport à un compte réel et aux résultats obtenus. Voilà. Alors, sur AUD/CAD, donc si on repasse positif, mais qu'on est toujours mesquin comme ça dans les mouvements, mesquin dans le sens, il n'y a pas de décalage franc, il n'y a rien de franc, on n'est pas franc du collier, je prendrai le bénéfice et sortirai de la position. Là, pour l'instant, je laisse courir. La config n'est pas dégueu, hein, on a pour moi une bonne proba, enfin, c'est clair, mais donc on a une configuration technique qui est intéressante, donc pourquoi pas laisser courir. Alors, ensuite, on passe aux positions mauvaises, donc le VIX, alors je vais vous expliquer le VIX, on perd actuellement 41,70 €, on est rentré à 15,90 €. Et le prix est à 15,20. Alors pourquoi? Parce que, on va prendre le VIX qui est ici. Malheureusement, le VIX est arrivé à échéance, puisqu'on s'indexe sur les contrats futurs chez ActiveTrade. Donc ils m'ont fermé ma position que j'avais prise à 14,70. Bon, ils m'ont fermé à 14,95. J'ai pris 14,99 €. C'est quasiment rien, mais bon, voilà, c'est mieux qu'une perte. Mais donc, du coup, derrière, vu que je veux quand même jouer le scénario, je l'ai repris. Mais du coup, une position qui a été ouverte à 14,70, là, elle s'est faite beaucoup plus haut. Je suis re-rentré à 15,90 plus le spread. Donc, en fait, j'aurais payé deux fois le spread. C'est pénible, mais c'est la vie. Ça, c'est le marché.
faut le savoir, ça fait partie des choses. Donc je joue toujours la même logique, j'ai repris la même taille de position, mais du coup c'est pas le top quoi. Donc là c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu les problèmes qui sont pénibles, mais bon, ça c'est le marché, c'est encore autre chose, c'est même pas un problème technique là. Donc actuellement avec mon entrée à 15,90, toujours avec 0,4 lot, c'est ça oui, on est actuellement à 15,20 et je perds 41,70€. Donc soit le mouvement va continuer, soit on aura un retour des acheteurs. Mais je maintiens le même scénario que je jouais précédemment hein, sur le VIX, ça il n'y a pas de souci. D'ailleurs je vais mettre le stop tout de suite, il était à 9,70 sur l'ancienne position, je le replace ici. C'est des choses que vous ne comprenez pas, hein, vous pouvez m'arrêter, me poser les questions sur le chat écrit, voire idéalement sur le chat audio, c'est fait pour ça. Alors ensuite, la position sur le dollar face à la livre turque. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est le swap. On accumule désormais 13,11€ de swap. Ça représente presque 10% de la perte en cours. Hein. Donc ça commence à être un swap intéressant. On en a parlé avec Adrien Raymond de FXM et on voit que ça se confirme ici. On perd 150€ sur la position ouverte. Donc ça, c'est négatif. Donc pour l'instant, c'est une position négative. On va aller voir le dollar face à la livre turque. Alors, il y avait des décisions importantes, je crois, qui avaient été prises aujourd'hui. On va aller voir ça de plus près. Ou c'est demain, je ne me rappelle plus. En tout cas, demain, il y aura les minutes de la Fed. Ça sera important avec le FOMC. Donc dynamique de fond haussière, phase de correction, cassure et retest de l'ancien support oblique haussier. Pas de vrai pullback puisqu'on ne recasse pas les précédents plus bas. Là les acheteurs reviennent, on est toujours sous les précédents plus hauts et si on casse le précédent plus haut, on sort une partie du trade. Donc pour le moment ça se passe mal, mais bon, si ça continue à mal se passer, on aura nos scénarios et si ça se retourne, tant mieux, on prendra de l'argent. Le temps joue pour nous sur cette position, plus on va mettre de temps à aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mieux ce sera, puisque plus on prend d'argent via le swap. Ce qui n'est pas énorme mais qui est significatif quand même. Hein. On le voit au fur et à mesure. Parce que c'est une position qui est ouverte maintenant depuis le 23 juillet. Et on a accumulé quand même 13,11€ de swap positif pour une position de 10 000 dollars. Donc de 0,1 lot, ce qui est pas mal. Alors, on termine avec l'or. Donc l'or sur lequel on a déjà fermé un tiers de la position parce que ça s'était mal passé. Alors l'or, la dynamique de fond est baissière. Phase de correction significative. Ce jour, on a les acheteurs qui reviennent. Hier, on avait eu les vendeurs qui essayaient de revenir. Pareil, ça se passe mal pour le moment. On a déjà sorti un tiers, donc on respecte rigoureusement et strictement nos scénarios quand ça se passe mal. Le prochain point de sortie, si ça continue à mal se passer, sera en 4-4 des 38,2, donc d'accélération jusqu'au et vers les 1425 $. On est actuellement à 1373. Et si on se retourne, et ben je vous rappelle que notre point d'entrée est à 1285 $ environ, l'once, donc on pourra passer positif. Voilà donc le contexte dans lequel on est. Donc deux positions fermées, deux petits gains pris. Et on laisse pousser les belles plantes, donc euro, dollar, NZD, USD, le Dow Jones ont pris des élans intéressants, Eurocad également. On coupe les mauvaises herbes au fur et à mesure, donc ça il s'agit quand on perd de l'argent. Et seul qu'on voit qu'il y a des risques, en tout cas qu'on n'est plus dans les conditions optimales, mais qu'on a l'occasion de prendre un petit gain, et ben c'est fait. Donc là, on est, pour moi, c'est exactement ce que je veux faire, donc je suis très content de la manière dont c'est géré jusqu'à maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions ouvertes actuellement. Avant de passer au fondamental et à lire ce qui se dit sur le chat écrit, je vais regarder le suivi de mon compte via MyFXBook. Parce qu'on commence à avoir un petit recul hein, par rapport à ce compte, donc tant mieux. Alors sur le compte MyFXBook, on a plus 5,66% au niveau des gains clôturés. Donc on a clôturé 565€. On voit qu'on a un écart qui s'est réduit entre et qui a tendance à se réduire entre la balance en rouge et l'équité en jaune, donc ça c'est bien. On a un drawdown maximal qui est de 5,54, pour l'instant il est très maîtrisé, je m'autorise jusqu'à 20% de drawdown à l'extrême, après s'il y a plus ça peut arriver et je le gérerai, mais c'est pas l'objectif, c'est de rester dans le moins, c'est pas toujours évident. Voilà, on verra ce qu'il en est. Donc là, désormais on a quand même fermé 17 trades, pour un compte de swing ça commence à être significatif. Pour le moment c'est très bien parce qu'on a un facteur de profit de 2,61, donc supérieur à 2 c'est vraiment pas mal, même supérieur à 2,50 là. On a 65% de trades gagnants pour 35% de trades perdants. On a des pertes moyennes qui sont de 58,41€ pardon, pour des gains moyens qui sont de 83,28€. Donc c'est pas mal du tout, cette manière de gérer le compte, si on peut rester sur ces statistiques c'est très intéressant. Donc pour le moment sur 3 mois de vie du compte, on a réalisé notre plus beau mois en juin pour le moment avec 5,04%. Juillet on a été négatif avec moins 1,46%. Et pour le moment en août on prend 2,08%. Voilà donc le contexte dans lequel on est. Et vous pouvez suivre ça à tout moment. Bah, je vous mets le lien sur le chat écrit, mais vous pouvez retrouver ça au-dessus ou en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Ok, je vous mets le lien. Voilà, on a fini ce point. Alors est-ce que ça marche? Ok, on a fini déjà la gestion des ordres. Donc on va ensuite passer donc déjà à la lecture de ce qu'il dit sur le chat écrit. Alors, son image, ok, ça l'a vu. Over qui disait journée catastrophique, comme je t'ai expliqué sur Skype, disait Over, effectivement. Alors je vais regarder ça de plus près, tu as mis un lien.
Alors, c'est le compte de Over, ça. Alors, qui n'est pas Over Lakers, hein, c'est Overload, c'est un autre, c'est ça? Qu'on avait un Over. Alors, il s'agit d'un compte démo. Donc, quelque part, c'est pas très grave déjà. Hein, c'est incomparable avec si c'était un compte réel, puisque je savais pas tout à l'heure quand tu m'as parlé sur Skype si c'était un compte réel ou démo. Alors, broker, il n'y a pas le nom du broker. Est-ce que tu peux me mettre le. Est-ce que tu peux me dire quel est le nom du broker, en fait, s'il te plaît, Over, parce que je vois pas quel est ton broker. Alors, tu restes actuellement sur un gain au niveau de l'équité de 70,39% depuis l'ouverture de ton compte qui a été faite le 11 juillet. Donc, c'est des gains considérables et énormes, puisque tu as réalisé 35% en juillet et 54% en août pour le moment. Bien sûr, de tels rendements ne peuvent pas être atteints sans prise de risque. On voit que tu as un drawdown de 74,45%, ce qui est logique. Il faut mettre en relation, bien sûr, le rendement avec le risque pris, bien souvent, sinon on est un génie. Mais des génies sur les marchés, en général, ils font pas long feu quand on connaît un peu la structure des marchés. Voilà, il y a des grosses mains derrière qui se laissent pas faire et qui se laissent pas manger de l'argent comme ça, puisqu'il faut se rappeler que le marché est à somme nulle d'une manière ou d'une autre. Quand on dit qu'il y a des crises, etc., oui, maintenant, l'argent perdu revient à d'autres et l'argent gagné perd à d'autres pains et déduit du portefeuille d'autres personnes. Hein. Après, tu as des intermédiaires, etc., qui prennent des commissions, mais eux-mêmes font partie du marché pour moi. Donc, tout ça n'est qu'un jeu à somme nulle. Bien sûr, voilà, c'est excellent ce que tu as fait. Pour le moment, même si tu prenais toutes tes pertes, les résultats seraient bons au niveau du rendement. Et si on le mettait en comparaison avec le drawdown, en termes de ratio, ce serait pas mal, puisqu'on pourrait aussi considérer en divisant par 10 que tu as réalisé 11% avec un risque de 7,4%, ce qui est honorable. Donc voilà, donc déjà, c'est pas si catastrophique. Certes, cette journée est mauvaise, tu peux pas avoir que des bonnes journées, de toute façon, et atteindre de tels niveaux de rendement. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Les positions que tu as actuellement, elles sont clairement négatives. Tu n'oses pas prendre tes pertes. Le truc, alors par contre, c'est que si tu n'oses pas prendre tes pertes et que c'est pas compris dans ta logique dès le début, c'est-à-dire que moi je m'en fous des gens qui ouvrent des comptes pour faire de la martingale. Très bien, j'ai déjà fait, j'ai déjà gagné de l'argent. Et bravo si c'est réfléchi et si c'est bien pensé. Pas de problème, ça peut être même intelligent. Après, il faut pas que ça devienne une habitude, une logique. Le seul souci, moi, par rapport à tout ce qui est moyenne à la baisse, ne pas accepter ses pertes et les martingales, c'est que souvent on les fait par dépit. C'est-à-dire que on a pensé à un scénario initialement prévu, on pensait prendre ses pertes ou on pensait pas faire de martingale, etc. Et parce que ça se passe pas, on se met à faire ça. Ça, c'est une faiblesse et ça peut amener qu'à la perte à la fin. Par contre, si dès le début tu ouvres un compte avec 1000 ou 2000 euros et que tu te dis voilà, j'ai repéré ça sur le marché ou alors par exemple sur tel produit, je pense voir peu de volatilité et de jouer un scénario où justement on va jouer le fait de ne pas avoir de volatilité et par exemple j'arrive avec 2000, mon but c'est d'aller à 6000 et pour l'atteindre j'applique une martingale et je suis prêt à risquer ces 2000, pas de problème. Là c'est pas le cas, là tu parles plutôt de pas prendre tes pertes puisque tu n'oses pas les prendre. Pareil, si le mec il ouvre un compte, il a 2000 euros qu'il veut investir, qu'il est prêt à perdre, il établit un scénario intelligent et par exemple il est persuadé que les marchés actions vont se retourner, il y en a beaucoup en ce moment, c'est pour ça que je prends cet exemple, et il va se dire voilà, moi je vais jouer le scénario baissier par exemple en moyennant à la baisse sur les marchés américains et je suis prêt à perdre ces 2000 euros, finalement le capital déposé sur le compte est mon stop loss et je vais pas accepter la perte, je vais accepter que les gains jusqu'à ce qu'on atteigne soit un niveau d'équité, soit un niveau de capital, pardon, donc par exemple quand je transforme mes 2000 en 4000 ou quand on arrive à tel niveau sur le graphique du Dow Jones. Pourquoi pas? Par contre, si au début tu t'étais dit, bah là je risque 5% de mon capital sur ce trade, et finalement tu vois qu'on arrive à un risque de, je sais pas moi, 50% de perte par rapport à ton capital, et que tu dis non, je ne veux pas couper, là c'est mauvais. Et donc la meilleure chose à faire, c'est de prendre tes pertes. Faire table rase, prendre tes pertes. Ça peut être compliqué, mais c'est ce qu'il faut faire. Si t'as pas le courage pour ça, c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut faire à mon avis. Ce n'est que mon avis, c'est pas du conseil. Il faut des licences pour ça. Ce que tu peux faire, c'est au moins, comme on dit, ne pas se couper un bras, se couper la main, je crois qu'on dit ça, ou un truc comme ça. Prendre une partie des pertes, ça fera pas de mal. Mais de toute façon, si là t'es parti en vrille, tu n'as pas respecté ton idée de base, ça sert à rien de continuer. C'est bon. Parce que là, t'es plus maître de ton destin. Déjà, les marchés, ils sont chaotiques. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait. S'il y a une chose qu'on maîtrise, c'est le fait d'être sur le marché ou pas. Là, de toute façon, t'es mauvais par rapport à ton comportement et à terme, ça peut pas être bon une telle logique, sauf si vraiment tu vises qu'un coup et après tu vas arrêter le trading. Mais si tu continues le trading, ce qu'il faut faire ici, à mon avis, hein, c'est tout fermer si c'était pas prévu d'atteindre autant de pertes et repartir du bon pied. D'autant que là, c'est pas si compliqué puisque tu restes avec un profit très important. Voilà mon point de vue complet, hein, over par rapport à ce que tu présentes ici. Voilà, j'espère avoir été assez précis. Alors, ça on avait vu.
C'était en démo de Over, demandait Cédric. Over qui disait oui, heureusement, j'aimerais pas avoir une paire de 75 000 en moins de 24 heures. Ouais, c'est vrai que c'est énorme, putain. Et là, on s'en fout, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, déjà, la base, heureusement que t'es en démo. C'est un problème, voilà ce que tu montres. Et je comprends que t'es, comme moi, tu vois, par exemple, je gère ce compte vraiment de manière optimale. Et ça me ferait chier du jour au lendemain de perdre énormément. Mais c'est pas grave, c'est pas de l'argent réel. Mais il y en a, dis-toi, qui. Et c'est, là, je le dis avec un air rigolard, mais c'est pas du tout marrant. Il y en a vraiment qui perdent des sommes comparables en réel et en très peu de temps. Et c'est scandaleux. Enfin, c'est pas que c'est scandaleux, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont perdu. Ils auraient aussi pu gagner. Donc, quelque part, c'est la justice, mais il faut bien se rendre compte. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des histoires. Marc Raffard en parlait, parce que lui, il a eu des expériences chez les courtiers, etc. Donc, il peut en parler en connaissance de cause. Des gens qui ont perdu des centaines de milliers d'euros très rapidement sur des projets de toute une vie. Par exemple, des gens qui ont vendu leur maison, des choses comme ça. Donc, voilà, des témoignages comme ça existe. Ça, il faut vraiment l'éviter, quoi. Il faut se rendre compte quand même de la réalité. Le marché reste. Et justement, il y en a beaucoup qui jouent là-dessus. C'est-à-dire que nous, maintenant, les brokers, etc., sont de plus en plus virtuels, dans le sens, ou même les banques, hein, quelque part, mais voilà, la banque, on a toujours cet aspect solennel, etc., on peut aller toujours à son agence, etc., mais le broker, bon, certes, t'as souvent en tout cas chez les gros courtiers, des bureaux de représentation sur Paris, mais sinon, au niveau des transactions, on a accès à un levier énorme, et tout est virtuel. Et parfois, du travail laborieux toute une vie peut être perdu sur finalement, que des clics, à partir d'un graphique, etc. Et moi, je sais que par rapport à mon expérience personnelle, là, j'ai 24 ans maintenant, donc j'ai plus 18 ans. Et je pense que ça aurait été mieux pour moi, mais après, c'est la vie, on s'en fout, c'est comme ça. Mais de commencer par le business, par exemple, de l'immobilier, où là, tu as vraiment des choses concrètes, c'est des grosses démarches, c'est assez lourd en termes de commission, parce que tu as les notaires, etc. Et comme ça, tu profites et tu comprends l'intérêt d'aller sur les marchés financiers virtualisés, avec peu de commissions, etc. Et tu comprends que c'est vraiment une opportunité importante et intéressante. Et qui peut permettre de faire de l'argent. Mais si les débuts comme moi t'y vas, et pour l'instant j'ai plutôt perdu de l'argent que gagné depuis mes débuts sur les marchés, la courbe est en train de s'inverser et je pense repasser positif dans les prochains mois, voire prochaines années, tant mieux. Il faut. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et pour se rendre compte de l'outil qu'on a entre les mains, je pense qu'il faut avoir goûté au business réel et se rendre compte de ce qu'on peut faire avec l'argent également dans le monde réel, entre guillemets. C'est toujours pas du tout les mêmes relations que quand on est derrière son PC, etc. Voilà, donc voilà un peu un cheminement et une petite phrase comme ça. Moi, déjà 18h35, je vais pas trop me disperser, mais si vous avez des questions, c'est toujours des débats intéressants de toute façon. Donc n'hésitez pas à donner votre point de vue. Alors ça, on avait vu. Bonjour tout le monde, salut Nico qui nous a rejoint. Il faut ce genre de PC. Nico qui nous laisse un lien, on va regarder ça. Tom's Award. Guide d'achat configuration spéciale silence d'or. Ce qui vous intéresse avant tout, c'est que votre ordinateur ne s'entende pas. Mais nous, non, pardon. Ne s'entende pas sans non plus retourner à des performances dignes d'un ordinateur d'il y a quelques années. Nous vous rappelons que le choix de ces composants, ne sont que des conseils. Nous ne vendons pas de matériel. Bureau économique, voilà donc. En tout cas, il y avait Nico qui vous donnait, parce que moi je me plaignais au début de mon PC, toutes les composantes utiles pour faire un PC performant et silencieux. Donc merci Nico pour le partage. Salut Liva qui nous a rejoint, comment vas-tu? Alors on enchaîne. Yes, pas mal la config Nico. Moi j'ai envie de monter un PC fanless. Je connais pas, c'est quoi ça Nico fanless? C'est sans ventilateur, c'est ça? Over qui disait perso, je suis plus water cooling. J'ai déjà testé. Ok. Non. Bah, niveau silence, refroidissement, tu trouves pas que c'est bien? Demandez Over. Il disait oui, c'est pas mal, mais on arrive à trouver des produits fanless performants. Si tu veux en savoir plus, on peut discuter par Skype pour éviter de dériver du trading. Alors n'hésite pas, Nico. Soit tu discutes sur le chat écrit, ça me dérange pas plus que ça, parce que le chat écrit est libre. Ou soit, à mon avis, ça c'est des discussions intéressantes. N'hésitez pas à présenter votre point de vue et les bonnes adresses sur le forum, dans la partie blabla ou apprendre, selon celle que vous jugez qui est le plus appropriée. Comme ça, ben, on peut en profiter et rebondir. Les liens restent et on ne perd pas la discussion. Donc c'est comme vous préférez. Moi, ça ne me dérange pas en tout cas que vous en discutiez sur le chat C'est écrit. pas grave. Oui, et toi, Liva? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, tu trades là? Oui, j'ai des positions ouvertes. T'as quoi comme position?
Le Dax et Kakune. Ouais, t'es en quel sens? Plutôt vendeur, plutôt acheteur? Acheteur. Ah oui, alors, le DAX, déjà je vois que là il cote 8303,5 au niveau du futur. T'es entré à combien toi? 8250. Ok, donc t'es rentré sur quel critère? C'est un support moyen terme. Ok, donc c'est quoi? C'est un support horizontal, c'est ça? C'est en fait, tu vois là, c'est un support horizontal, mais comment c'est au même niveau que 4000 pour 4008 ou 4000 pour Kakune. Et le 4000, 4008 Kakune, pour moi, c'est l'ancien 3600 et quelques, 650. Je suis acheteur à partir de là. Tant que les indices sont au-dessus de ces niveaux, je suis acheteur. Alors, je viens de regarder mon CAC. Donc toi, tu dis pour toi, le niveau important sur le CAC, c'est quoi? C'est 4000 piles ou 4000 et quelques? Mille et quelques. C'est-à-dire 4000 combien? Tu m'as dit combien? Tu m'as dit? Attendez, je vérifie très bien. Ouais, c'est 4030 en fait. Là. Ok, 4030. ok. Voilà, c'est les maintiens pour moi aussi ici. Là, c'est tant qu'au-dessus de ça, je suis acheteur. D'accord, ok. Alors, donc toi, pour toi, tant qu'on va être au-dessus de ces niveaux, il convient d'acheter les... Merde, j'ai un appel, attends 2 secondes. Oui, allô? Oui, bonjour Pascal, ça va? Alors, désolé, c'était Pascal Caron, du site sur les patterns harmoniques. Vous pouvez me rappeler son adresse, s'il vous plaît? Alors, on va le recevoir, du coup, ça va être un peu juste pour l'annonce, mais je vais le faire ce soir, à 15h demain après-midi, en direct. Alors, ce sera une horaire spéciale. Pascal Caron, donc tonton, qui est connu hein, sur les forums, etc. Demain à 15h en direct sur videobourse.fr. Excuse-moi, Liva, j'étais en train de te parler et j'ai eu un appel. Oui, donc je te disais, c'est quoi? Donc pour toi, tant qu'on est au-dessus des 4030 sur le CAC et sur le DAX, son équivalent, je sais plus combien tu m'avais dit sur le DAX, attends, faut que je réouvre. Donc sur le DAX, son équivalent qui est les 8230 environ, ou 8200, pour toi, tu rachètes ces zones de support et tu paries sur un retour des acheteurs, c'est ça? Oui, c'est le cinquième vague en vague de l'autre pour moi. Ok, et tu vises combien sur le CAC et le DAX? Chaque fois qu'il arrive autour de 4200, je prends mes bénéfices et j'attends s'il casse, je suis le mouvement. C'est s'il retourne, j'attends en bas.
Ok, et donc Ok. Là, actuellement, donc, tu as pris tes positions par exemple à 8250 sur le DAX, tu vas viser combien en termes de points? Attendez. Oui, 1430, 36 là. Ouais. D'accord. Et donc là, c'est quoi? Ce serait plutôt la partie haute de la zone qu'on a distribuée ces derniers jours, c'est ça? Distribué ces derniers jours, c'est Ouais, ça? c'est un range là. Il va. Pour moi, les indices veulent casser ces résistances. D'accord. Et donc si on retourne dans cette zone, tu prendras ton bénéfice. Oui, ça fait déjà la deuxième fois. Hein. Ok. Et sur le CAC 40, tu viserais quoi? Un retour vers les précédents plus hauts, donc c'est-à-dire un retour vers les 4125? Attendez, pour moi, Kakune va aller 4150 pour moi. 4160 pour moi, mais il faut qu'il casse 4116. Donc là, je prends mes bénéfices tout de suite parce que pour question de prudence. Mais pour moi, Kakune veut aller à 4200. D'accord, ok. Donc en tout cas là, tu vas être acheteur pour quelques jours. Ok, très bien. Alors, tu dis que ça fait 2 fois que tu joues ce scénario, tu l'avais déjà joué précédemment, ça s'était bien passé? Ça s'était bien passé. Oui, j'ai déjà joué. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres produits qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a d'autres produits que tu surveilles? Ou pas du tout, là tu te concentres vraiment sur ces deux actifs, donc ces deux indices européens. L'euro dollar. Alors 2 secondes que je l'ouvre. Ouais, donc l'euro dollar, on a eu une belle impulsion haussière ce jour. Qu'est-ce que tu surveilles toi par rapport à ça? Il est en train de casser une résistance moyen terme. D'accord, alors est-ce que tu peux me préciser de quand elle date et si c'est une résistance oblique ou horizontale? Oblique et un 33-16. Un 33-30, un 33-30 plutôt. Là. Donc, j'attends un pullback. Tu comprends? D'accord. Ouais, bah alors après, pullback, est-ce qu'on l'a pas déjà eu? Parce que moi, en fait, ce que j'ai repéré sur l'eurodoll, si je le prends en journalier, c'est qu'on était dans un espèce de triangle. Donc, triangle long terme dans lequel on s'engouffrait depuis le mois de. Enfin, depuis le début de l'année, en vérité. Donc, on avait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. Et là, on a clairement cassé la partie haute de ce triangle, donc la résistance oblique baissière. Et là, les acheteurs semblent prendre en main le marché. Récemment, on avait cassé pour moi une première fois cette zone en début août. Et après, on était revenu sur l'ancienne résistance qui joue un rôle de support. Donc pour moi, le pullback, on l'a déjà eu. Donc avec cette impulsion, on pourrait très bien, à mon avis, continuer le mouvement de hausse pour moi. Mais bon, moi, je suis déjà acheteur de toute façon. Mais voilà, on peut avoir d'autres points de vue. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, mon problème avec Kakune, techniquement pour moi, Kakune va aller sur un 39,49 ou un 39,40 plutôt. Mais mon problème avec la situation, oui, c'est là, Kakune va aller là-bas pour moi. Mais en moyen terme. Donc, j'attends quelques jours de pullback vers cette résistance oblique autour de 32,40 et quelque chose comme ça. Et après, je prends pas tout de suite position là maintenant pour l'eurodoll. Et donc tu nous dis que tu penses à un retour vers les 1,39, c'est ça? Oui, pour moi, il va aller 1,39. Attendez. Autour de. Non, pas là, 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 là. C'est. Ouais, autour de 39, 34, 40 pour moi. D'accord, donc ça fait quand même une hausse de 500 points, donc là c'est vraiment plutôt une vision long terme. Qu'est-ce qui te fait penser justement qu'on irait vers ces 1,39 et quel seuil précis tu as vers 1,39? La reprise de l'économie européenne. D'accord, ok. Alors pourquoi spécifiquement les 1,39? Que c'est une grosse résistance parce qu'il est dans un gros canal et c'est une vague D pour moi. C'est pas vague, mais en fait, c'est un point. Ouais, il est dans un gros canal pour moi en vague d'Elliott. Et le gros canal, c'est en fait comment j'appelle ça?
C'est une configuration, configuration technique à l'intérieur desquelles je joue les vagues. Et c'est pourquoi j'ai dit il va y aller. Un 39-40. D'accord, ok. Bah, en tout cas, merci Liva pour cette information. Et puis, bah, si tu as d'autres éléments à lui donner, n'hésite pas à prendre la parole. Voilà. Alors, je reprends le chat écrit. Qu'est-ce qu'il Câble, il est très ponctué. De quoi? Câble. Ouais, t'as un avis aussi à donner par rapport au câble? Pour moi, le câble va aller à un 58, 60, quelque chose comme ça. Ok, donc là on le Il voit va y aller. en journalier hein, sur mon À long graphique. terme, quelques jours, une semaine, un truc comme ça. Alors par contre, avant d'aller à 1,5850, donc moi sur mon graphique, je vous montre pour ceux qui suivent l'émission, on serait vers ici. Il y aura un rempart qui serait les plus hauts qu'on avait marqué le 17 juin dernier à 1,5753. Oui, il va le casser. Il va casser cette résistance pour moi. Ok, donc toi, t'as, voilà, plutôt des convictions haussières. Et après, donc là, le seuil dont tu as parlé, c'est 1,5860. Pourquoi précisément ce seuil? Qu'est-ce que tu as là? C'est un ancien support à long terme. Donc c'est pour moi, c'est cette polarité qui tire le câble. Ok, très bien. Alors, sur le chat écrit, donc je disais, ça en avait vu, c'est pas mal, mais on a trouvé. Ça en avait vu. Just Trader, en fait, j'ai. D'accord, donc Over qui est chez Just Trader. En fait, j'ai un problème au niveau de ma première mise. Et comme j'ai souvent des martingales normales, disait Over. Voilà, donc Over qui parlait Dire justement les de. dollars va baisser, hein, pour moi. Alors, Over, voilà, donc. Bah, n'hésite pas à. En tout cas, exposer tes points de vue, etc. Hein, over, par rapport à ton compte. C'est intéressant les résultats que tu as eus. Le dollar va retester le 10 600. 10 580 même, des trucs comme ça, 90. Plus précisément. Là, je l'ai pas sous les yeux. Je l'ai pas sous les yeux. Alors, Dollar est dans une impulsion baissière, hein. ça on avait vu. Donc FXer qui nous avait rejoint, salut FXer, comment vas-tu? Est-ce que tu as des positions? Over qui disait, tu as raison, je vais essayer de mieux gérer ça, et surtout de gérer les émotions. Ça c'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au compte d'Over, donc on avait regardé là le compte démo. La idée, je ne joue pas, c'est pas la peine. Over qui disait, je suis dégoûté car en plus hier j'avais un point de sortie très clair. Ok, merci beaucoup. Oui, finalement j'ai de la chance de pouvoir apprendre de cette erreur en practice. Tout à fait, Over. Hein, le mode démo est fait pour ça. Les résultats que tu as obtenus sont très intéressants. Ça peut être une base de réflexion pour du réel, mais il ne faut pas être naïf, ça ne va pas être évident. Il n'y a aucun argent qui est évident sur les marchés en tout cas. Et puis, bah c'est clair que cette erreur, que tu l'aies fait en mode démo, c'est beaucoup mieux que tu l'aies fait en mode réel. Karim qui nous avait rejoint, comment vas-tu Karim? Quoi de beau depuis tout ce temps? Bah, pas mal de choses en tout cas. Toujours du trading, hein, rien d'innovant de Ce ce sont les côté-là. valeurs bancaires qui ont fait baisser le CAC aujourd'hui, hein. Je sais pas, j'ai pas encore fait le point fondamental, je vais aller le faire juste après, donc bah, je regarderai ça, mais pour l'instant je pourrais pas trop te répondre. Je pourrais pas trop te répondre. D'après ce que je vois là, c'est les valeurs bancaires, donc c'est de la volatilité, ça conforte ma vision. Ce Ok. n'est qu'une volatilité. Ok, bah, je vais aller voir ça après moi, je vais regarder ce qui s'est dit en salle de marché ce jour. Alors, sinon j'ai la chance de pouvoir apprendre des erreurs, ça on avait vu. Voilà, donc tu peux suivre les résultats quand même de mon compte. Via des liens au-dessus, en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Et je te retourne la question, hein. Karim, donc ça fait des années qu'on a l'habitude de le retrouver sur videobourse.fr à travers ses projets. Alors je crois, Karim, toi, que tu as lancé un compte PAM, donc c'est un peu un mini-fonds en fait, un compte PAM, c'est-à-dire que n'importe qui peut investir de l'argent et suivre, enfin après laisser son argent géré par une tierce personne, donc un gérant. Et je crois, Karim, tu as obtenu de très bons résultats chez un broker, donc InstaForex. Alors il y avait un peu des critiques par rapport à ce broker parce que c'est un broker qui n'est pas régulé d'une part et qui a rencontré des soucis. Après, c'est vrai que toi, ça n'a rien à voir avec toi. Voilà, il te propose une solution intéressante. Mais du coup, est-ce que tu serais pas intéressé pour faire la même chose mais chez un autre broker plus sérieux? Ce qui pourrait peut-être amener plus de monde à investir des fonds. Puisque là, c'est vrai que c'est pas attirant de mettre les fonds chez un broker qui est alerté. Mais en tout cas, déjà, avant même de parler de ça, parler de l'approche que tu as utilisée puisque les résultats sont excellents. Je crois qu'il y a une partie de l'approche que tu veux garder personnelle, mais si tu as des choses à nous dire, n'hésite pas à l'indiquer, ce sera intéressant.
Matt, voilà, qui disait, il se passe quoi avec Madge, plus d'émissions. Bah, pendant 2 semaines, il a dit qu'il était plus là, et je crois qu'il va reprendre la semaine prochaine. Hein. Voilà, Matt, pour te répondre. Water Melon, qui était là, bonsoir à tous, salut Water, comment vas-tu? Cam qui disait, oui, ça roule de mon côté, beaucoup de vacances, peu de travail pour le moment. Ouais, mois de juillet, août, c'est fait pour ça. C'est un compte PAM parce que c'était d'office, en fait, c'est pas tellement de ma volonté. Non, je m'en fous de faire du PAM. Ah, ok, donc c'était juste comme ça, donc c'est ton compte perso. Bah, les résultats sont excellents. Ça va, ok. N'hésite pas à nous en dire plus. Alors, voilà, donc il est déjà tard. En ce moment, on est un peu débordé, mais bon, c'est comme ça. Je vais sur romandie.com, voir les nouvelles, voir ce qui s'est dit et le contexte du marché. Alors, Afrique du Sud, les ouvriers de l'automobile veulent durcir leur grève. Bon en Europe, marché obligataire hésite dans l'attente de la Fed. Wikileaks, Gibraltar, Madrid veut le retrait du récif pour une reprise du dialogue. Devise, l'euro monte face à un dollar plombé par des spéculations sur la Fed. Donc c'est bien la Fed qui fait bouger les marchés a priori ce jour. Je vous lis la dépêche donc publiée par l'AFP, l'agence France Presse, en partenariat avec l'AWP, en direct de Londres. L'euro restait en nette hausse face au dollar mardi dans un marché empreint de spéculation en attendant la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire FOMC de la Réserve fédérale. Donc ça sera demain à surveiller attentivement. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'euro valait 1,3427$ contre 1,3334$ lundi à 21h. L'euro est monté mardi vers 13h40 GMT à 1,3452$, son plus haut niveau depuis mi-février. La monnaie unique européenne progressait face à la devise nippone à 130,47 yens contre 130,09 yens lundi soir. Le dollar reculait face au yen à 97,17 yens contre 97,58 yens la veille. Dans une journée calme sur le plan des indicateurs, le marché reste tourné vers les minutes de la dernière réunion du FOMC en quête de direction, noté Sue Trin, analyste chez RBC. Les cambistes étaient à l'affût d'indices sur les perspectives de la politique monétaire de la première économie mondiale sur fond de récentes déclarations de responsables de la Fed allant dans le sens d'un début de freinage de la politique ultra-accommodante de l'institution dès septembre. Le FOMC doit se réunir les 17 et 18 septembre et les marchés devraient rester nerveux jusqu'à cette réunion, selon les analystes. La Banque centrale américaine procède à des injections massives de liquidités dans un système financier des États-Unis à hauteur de 85 milliards de dollars par mois afin de soutenir la reprise économique du pays. De récents indicateurs encourageant sur la vigueur de la croissance économique américaine ont renforcé la probabilité de voir ces mesures qui ont notamment pour effet de diluer la valeur du billet vert, être sous peu diminué. Les cambistes attendaient également des discours prononcés lors de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole dans le Wyoming au centre des États-Unis de jeudi à samedi malgré l'absence du président de la Fed Ben Bernanke. Mis à part le calme relatif des grandes devises mondiales, euro-dollar-yen, les perspectives de la politique monétaire américaine créent des turbulences sur les monnaies des pays émergents, à l'image de la devise indienne tombée mardi à un nouveau plus bas historique face au billet vert, à 64,12 roupies pour 1 dollar. Il semble qu'en ce moment, toute l'action est concentrée sur le marché des monnaies émergentes, car le ralentissement de la croissance économique observé dans ces régions, notamment en Inde et au Brésil, force les investisseurs à regarder de plus près les problèmes structurels que rencontrent ces économies, commentait Michael Eason, analyste chez CMC Markets. L'euro continuait de son côté à profiter du rapport mensuel de la Banque centrale allemande publié lundi, qui est revenu sur la nouvelle politique de communication de la Banque centrale européenne, BCE, laquelle donne désormais des indications sur l'orientation de sa politique monétaire. La Bundesbank a estimé que la BCE ne s'était pas engagée sur un niveau de taux précis. Pour certains analystes, le fait que la Bundesbank évoque de plus des risques inflationnistes a alimenté des spéculations sur le fait que la BCE pourrait être amenée à relever son principal taux d'intérêt actuellement fixé au niveau exceptionnellement bas de 0,50%. Un taux d'intérêt plus élevé rend une devise plus rémunératrice et donc plus intéressante pour les investisseurs spéculatifs. Voilà, après c'est à peu près tout. Voilà. Déjà un point très intéressant, on ira acheter un coup d'œil du côté des devises exotiques puisqu'elles ont l'air d'être bien volatiles, c'est ce qui nous intéresse, donc on ira regarder ça de plus près.
Alors, on enchaîne. Pétrole reprise grâce à l'espoir d'une baisse des stocks aux États-Unis. Je crois qu'il y a, bon, il y a toujours des tensions en Égypte, hein, ça c'est clair, mais ça ne fait plus la une des médias, donc du coup ça réduit un peu la tension par rapport au cours du pétrole. Bourse Wall Street aidée par de bons chiffres dans la distribution rebondit. Wall Street rebondissait nettement à la mi-séance mardi après une série de 4 séances à la baisse, aidée entre autres par les bonnes performances de groupes de distribution. Le Dow Jones s'adjugeait 0,41% et le Nasdaq 0,91%. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average. Non, est en direction 2400. Je t'ai pas entendu, Yves, parce que ça coupe. Ça capte mal. L'or est en 450 pour moi. Ouais, je t'entends pas bien, je sais que tu parles de l'or, mais ça grésille, je pense qu'il y a un problème de connexion. Non, je t'entends pas. Ça coupe quand tu parles. Ouais, c'est ça, ça coupe quand tu parles en fait. Il y a un problème de connexion, je crois. Bon, alors. L'indice vedette Dow Jones Industrial avançait de 62,25 points à 15 072,99 points et le Nasdaq à dominante technologie. Là, ça a l'air un peu mieux. L'indice élargi Standard & Poor's 500 s'apprécie. Moi, j'ai dit que l'or est en direction 1450. Ok, j'ai entendu. Donc, tu penses que l'or va continuer à monter? Il est sur résistance oblique et c'est cette case que comprend les positions en attendant que l'assure et un mini pullback pour moi. Alors, je comprends vaguement ce que tu dis parce que ça coupe, mais. Tu me dis qu'on est sur une résistance oblique, pour moi on l'a dépassé, parce que soit on a une résistance oblique qui est beaucoup plus haut, en fait, soit on a déjà cassé, donc attends, je vais parler plus concrètement, voilà, là je traçais la résistance oblique baissière à long terme, et à plus court terme on avait celle-là. C'est bien. Toi tu me dis que on est sur une résistance oblique baissière. Oui, l'oreille dans une... Baissière. Pas pour moi. Cassé. Moi, je la repère pas. Alors, si t'as un graphique, n'hésite pas à me le faire partager, Liva. Parce que je la vois pas ta résistance, mais si t'as un graphique, n'hésite pas. Ah, bon, apparemment, il y avait des soucis, donc ça peut venir de moi, hein, les problèmes de connexion. Peut-être que on m'entend moins bien là. Je sais pas si on m'entend dans le cadre du live. Alors, sinon, le problème peut venir du Mumble. En tout cas, moi. J'étais déconnecté du Mumble. Je sais pas à quoi c'est lié. Bon, bref. Alors, si on m'entend, merci de me le confirmer. Et je vais enchaîner avec la poursuite de la lecture des nouvelles fondamentales. Alors, si on peut me confirmer, s'il vous plaît, sur le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Si on m'entend et si on me voit bien, c'est bien. Merci Cédric. Alors j'enchaîne. J'espère qu'on va se reconnecter au Mumble. Liva, tu m'entends? Ouais, j'étais déconnecté. Bon, je crois qu'il y a un problème de connexion. Oui. Bon, en gros, tu me disais que tu étais acheteur sur l'or et que tu pensais un retour vers les 1450, c'est ça? J'entends pas, tant pis. Allez, alors, les citations donc, des gérants en salle de marché, en tout cas des analystes, les résultats plutôt bons de plusieurs entreprises de vente au détail ont apporté au marché une raison de se reprendre après la plus longue série de baisses consécutives pour le Dow Jones depuis décembre 2012, a constaté Brent Shutt de BMO Private Bank. Dans la mesure où le secteur des biens... non essentiel et resté particulièrement à la traîne ces dernières semaines, les investisseurs y voient un signe très positif pour la consommation, moteur de la croissance aux États-Unis, a-t-il ajouté. Le spécialiste de l'électronique grand public Best Buy, qui a fait part d'un bénéfice supérieur aux attentes et de ventes moins mauvaises qu'attendues, satisfaisait en particulier le marché qui faisait grimper son titre de 10,22% à $33,87. Voilà, après ça va être moins intéressant. On enchaîne. Devise, l'euro monte face au dollar. Pétrole, on l'avait vu. Marché européen en baisse en l'absence de nouvelles économiques.
Alors, donc c'est une dépêche qui est tombée à Paris et est toujours relayée par l'agence France-Presse. Les bourses européennes ont terminé mardi en baisse en l'absence de nouvelles économiques majeures en provenance d'Europe ou des États-Unis qui auraient pu jouer sur la tendance. Elles étaient de ce fait réduites à spéculer sur les intentions de la Fed dont le compte-rendu de la dernière réunion fin juillet doit être publié mercredi. Les investisseurs veulent désormais en savoir plus sur l'avenir de la politique monétaire américaine. Le marché est un peu fébrile puisqu'il se dit que la réduction des injections de liquidités pourrait avoir lieu dès septembre, a estimé un analyste. L'Eurostoxx 50 a perdu 1,25%, la Bourse de Paris terminait en net baisse moins 1,35%, l'indice CAC 40 perdu 55,05 points à 4028,93 points, la veille il avait lâché 0,98%. Parmi les valeurs, les titres qui avaient soutenu la hausse du marché ont récemment souffert. C'est le cas des valeurs cycliques les plus dépendantes de la conjoncture. Après, il y a pas mal d'exemples qui sont cités, ça va sûrement nous intéresser. La bourse de Londres a clôturé en légère baisse. Le DAX, quant à lui, a terminé tiraillé entre le fabricant d'engrais. La bourse suisse a enregistré une séance d'un très léger repli. Voilà, c'est tout. Alors, on va voir s'il y a d'autres dépêches qui nous intéressent. Wall Street, ça, on avait vu. Marché européen, on a vu. Bourse de Paris termine en net baisse après sa récente progression. Francfort DAX termine en recul, moins 79. Spéculation sur la Fed. Schauble admet que la Grèce aura besoin de plus d'aide. Ça, je vais le retweeter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, ou sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. Vous avez tous les liens en haut à gauche au-dessus du logo du site. Voilà, ça c'est tweeté, on va pas lire. Oh, c'est coupé. Ça ne m'intéresse pas directement. Je sais pas, ça a coupé, je crois que ça vient de ta connexion. Alors ça on avait vu. Bon. Ça, on avait vu, Schauble, Zurich. Et là, ça va ? Là, je t'entends mieux, ouais. Les BRICS renforçaient le commerce. Ouais, j'ai dit l'or va monter. Et l'argent aussi. L'argent est plus peintu que l'or, par contre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner tes arguments par rapport à ça ? Parce qu'on vend les dollars. Ok, tu nous as parlé des 1450 dollars, par exemple, sur l'or. Alors, qu'est-ce que tu as comme zone en 1450, vers 1450 ? C'est une résistance. Ok, alors moi je l'ai pas. Oui, donc si tu peux partager un graphique, ça m'intéresse. Si tu as un graphique sous la main. Attends, je t'envoie après maintenant. Attendez, je te montre si. Bon, alors le reste on avait vu. Proche-Orient, nouvelle discussion de paix. Londres termine en baisse, les minières dans le rouge. Italie, un rebond informatique pour traquer les fraudeurs au fisc. L'argent autour de 25 dollars. Focus, devise, les monnaies émergentes souffrent de la reprise américaine. Ce pareil, je vais le partager. On va pas avoir le temps de le lire parce que c'est trop. Ce serait très intéressant de lire ce dossier. Je vais vous laisser les liens de ceux que j'ai tweetés d'ailleurs sur le chat écrit. Parce que c'est super important, quoi. C'est des articles qui ont l'air super. Et parfois, l'information gratuite, on a tellement d'informations sur Internet que des fois, on a l'impression de décrédibiliser un peu certaines informations ou de ne pas les utiliser. Alors que là, en vrai, c'est des dépêches fournies par l'agence France Presse qui sont vraiment d'une grosse qualité. Je voulais partager, je vous invite à les lire. Là, on n'a pas le temps dans le cadre de l'émission parce qu'il faut quand même respecter à peu près les 1 heure. On les dépasse toujours, mais voilà, c'est pas non plus que l'émission fasse 2 heures. C'est super. Le contenu qu'on a, enfin, c'est incroyable. Et ça n'empêche pas les particuliers de perdre. Et pourtant, on a accès à du contenu de grande qualité qui peut nous permettre assez simplement de gagner de l'argent, je pense, sur les marchés. Alors, l'autre truc que je voulais partager, c'était BRICS renforcé. Voilà, je vous laisse les liens sur le chat écrit. Bon, on a terminé le point fondamental. On a vu les grandes lignes de ce qui s'est passé ce jour sur les marchés financiers. On va jeter un coup d'œil maintenant aux nouvelles et aux annonces macroéconomiques qui sont tombées ce jour via le calendrier. Celui qu'on prend pour référence, c'est Forex Factory.
Donc ce jour, on a eu donc des chiffres importants, bon, on a eu par rapport au dollar australien et au dollar néo-zélandais. Ça joue plutôt dans notre sens, on l'a vu, on a gagné de l'argent, tant mieux. Le reste, c'est des chiffres d'importance moyenne et plutôt mauvais par rapport à l'économie européenne, notamment l'indice allemand PPI et les ventes en gros au Canada. C'était des chiffres plutôt mauvais, moins bons que les attentes avec les chiffres précédents. Donc pour demain, pardon. On aura des chiffres importants à 16h avec les ventes de maisons existantes aux États-Unis et à 20h avec les minutes du FOMC. Ce sera surtout ça qu'il faut regarder, 20h heure française. Voilà, donc à court terme. Maintenant, on passe à la lecture des graphes, au décortiquage des graphiques et on va aller chercher des prises de position potentielles. Alors, sur nos graphiques, on a le dollar yen. Ici, en graphique journalier, on a une dynamique hésitante avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus bas, un espèce de triangle qui s'est mis en place. On est toujours à l'intérieur du triangle. On a une impulsion plutôt baissière ce jour, mais rien de flagrant. Pas de prise de position pour moi. Alors, du côté de l'euro-yen, pareil. Du côté du dollar face à l'euro turc, on est déjà en position, on en a parlé tout à l'heure. A USD, on est déjà en position, on en a parlé tout à l'heure. Le câble, on attaque des pressions plus hauts, mais on est dans une zone de résistance. Donc, ça, à la limite, si on la casse, on pourrait ensuite acheter. Si on casserait également les 61,8%, donc on serait sur une dynamique haussière et on aurait cassé les pressions plus haut, donc on ne pourra pas suivre l'impulsion. Ça n'est pas le cas pour le moment. Si on a une belle reprise des vendeurs, pourquoi pas même shorter si on avait une belle impulsion vendeuse, ce qui n'est pas le cas, donc pour le moment, je ne fais rien. Euro-dollar, on est déjà en position acheteuse et pour le moment, ben, on a des acheteurs qui ont bien mis la pression ce jour, tant mieux, pourvu que ça dure. L'or, on en a déjà parlé tout à l'heure. Euro-livre-sterling, beau retour des acheteurs, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de grosse. Enfin, il n'y a pas de tendance franche. Certes, la tendance est plus haussière, mais les pressions plus hauts sont plus bas que les précédents. Donc il n'y a pas de direction franche. Et ça va pas me suffire ce signal d'impulsion. Ça pourrait être intéressant, mais je vais pas le suivre. Tiens, USD-CHF, ça peut être intéressant, puisque on est toujours à l'intérieur d'un grand range, ici en graphique journalier long terme. Alors, la partie basse, c'est un peu dur à mettre en place, mais si on voit, si on trace le point bas à 0,9017, et 0,9073, le haut de la partie basse, et la partie haute, donc à partir de 0,9832, et le haut de la partie haut à 0,9972. On est plus dans la partie basse, on a une très belle impulsion baissière ce jour. On peut la suivre puisqu'on casse les précédents plus bas. Maintenant, attention, parce qu'à plusieurs reprises, à nombreuses reprises, on a eu des gros rebonds dans la zone dans laquelle on est. Donc pour l'instant, je vais pas le tenter. Mais si on passe en dessous de cette zone là, voire vraiment en extension, un plus bas qu'on pourrait encore tracer un peu plus bas ici, oui, on pourrait shorter. Parce que là, on sortirait de la phase de range et on entrerait en tendance baissière. Ça n'est pas le cas pour le moment, donc je prendrai pas de position. Le VIX, on a acheteur, pour l'instant, on perd de l'argent, on en a parlé tout à l'heure. Le Dow Jones, on est vendeur, on en a parlé tout à l'heure. Le Nikkei, on a préféré couper. Et il n'y aura pas de prise de position du coup. Euro CAD, on est acheteur, on a eu un très beau bond ce jour, donc une belle impulsion, on est dedans, tant mieux. Le CAC 40 a shorté, pourquoi pas. Même le CAC 40 avait surperformé ces derniers temps, là on a une belle impulsion baissière. On est déjà vendeur des marchés américains, mais à la limite, pourquoi pas vendre le CAC. Et je pense que je vais le vendre d'ailleurs, parce que c'est une belle impulsion, on avait surperformé par rapport à d'autres produits, donc on peut, si on a une vraie phase de correction qui se met en place par rapport à un ralentissement de la Fed, etc., ce qui est probable, enfin possible, pas probable, mais ce qui est tout à fait possible, quoi, on pourrait avoir une belle phase de correction, et vu qu'on est monté beaucoup plus haut, bah, l'élastique étant tendu, si ça redescend, ça peut descendre d'autant plus bas. Hier, très belle impulsion baissière, avec une englobante, à la limite, même j'aurais pu vendre hier, je l'ai pas fait, pourquoi? C'était encore juste, mais là aujourd'hui on a confirmé, même si on n'a pas eu le niveau qui a été particulièrement validé ce jour, on a encore eu des acheteurs, je pense que l'impulsion est là, et je vais suivre cette impulsion baissière sur les marchés français, et les marchés européens dans l'ensemble. Donc quelle taille de position? Alors je vais prendre déjà une taille de position minimale pour voir la taille de position, pour voir combien vaut le micro lot. Donc là je viens de tester, avec une position de 1 micro lot. Donc avec un micro lot, et que ça correspond à mon money management, en fait c'est pour ça que je fais un test là, un micro lot donc sur le CAC, ça nous fait, alors là on perd actuellement 15 centimes, et donc on est à, et ben on a 10 centimes le point, 10 centimes le point, là si je veux aller chercher un objectif, par exemple qui sera un retour carrément vers les 3006 on va dire, ça fera un objectif de 3006, ça ferait un objectif de 400 points à peu près, donc là ça ferait seulement 40 euros. Il faudrait plutôt qu'il soit de l'ordre de 400. Donc on va prendre une taille de position de 1 mini lot, tranquillou. Sur le 4, on va pas être très chargé. Voilà, donc là je reprends 0,09 et on est bien avec notre micro. Donc là on est à 1 euro le point sur le CAC, c'est parfait, ça me va très bien. Donc là j'ai ma position là sur CAC 40. Voilà, donc un mini lot.
Alors, l'objectif, bon, bah, de toute façon, quand ça se passe bien, je laisse courir et je coupe quand ça ralentit. Donc actuellement, on en a impulsion, donc j'ai pas de soucis. Ça se passe mal, on pourrait déjà sortir un premier tir en cas de cassure des pressés en plus haut. Donc 4126, on va mettre la première sortie à 4130. 4135. Donc sortir un tiers. Donc 0,03 lot, 4135. Voilà, on le voit apparaître là sur notre graphe. Alors derrière, je suis en graphique journalier ici, on n'aura pas beaucoup plus de recul. Il faudrait partir sur d'autres graphes, parce que là j'ai pas assez de recul, donc on va aller prendre les graphiques sur Boursorama pour voir à quel niveau je veux placer les autres niveaux de sortie. J'ai 19h13, on a déjà dépassé l'heure d'émission, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Alors du côté du graphique, on va regarder sur le chat écrit, parce qu'il y a quelques publications qui ont été indiquées. Bon, en attendant que ça charge, donc sur le chat écrit, non, je me fous de faire du PAM, ça va passer. Là, c'est un PAM parce que j'avais pas le choix, là, ça en avait vu. FXR qui disait qu'il avait pris le troisième achat sur EURAUD. Graphique qui nous a déjà fait partager, je crois que c'était hier ou avant-hier. On regarde ça, c'est sur la communauté MQL5. Très bon site, hein. D'ailleurs, on peut suivre l'évolution de mon compte également. Et bientôt, ce sera disponible pour suivre en mode miroir mes prises de position. Je serai fournisseur de signal. Là, je suis en phase de validation. Il y a une période de latence d'un mois. Je ne sais pas combien de temps de jours il me reste. Voilà. Donc, ici sur c'est chez le broker Oanda, on voit qu'il y avait un premier point d'achat qui était vraiment excellent au niveau quasiment des plus bas de ce euro AUD. Donc là, à la limite, même, je te demande comment tu as eu un signal ici, puisqu'il n'y avait pas rentier. Est-ce que c'est une figure harmonique et fixeur? Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'impulsion ou quoi que ce soit. Donc, quelles étaient les raisons de ton premier point d'entrée? Ensuite, très belle impulsion, on hésite, on commence à repartir, nouveau point d'entrée. Et là, un nouvel achat de nouveau. Les stops sont déplacés, donc soit on arrête l'impulsion haussière, on corrige, et à ce moment-là, tu pourras prendre ton bénéfice. C'est un graphique en M15, hein. C'est l'équivalent d'un trading stop. Soit le mouvement continue, et je pense que tu continueras à pyramider. En tout cas, ça va être une excellente position, bravo à toi, FXR. Alors, ici, on a notre graphique, donc je vais le faire apparaître dans une grande fenêtre, pour placer donc mes niveaux de stop sur Eurodoll. Donc ici, c'est un graphique journalier, qu'on a depuis belle lurette, puisqu'on a un historique jusqu'à 92. Donc ici, on n'a que les cours de clôture. Je vais juste faire apparaître les chandeliers quand même. Voilà. Ok. Donc on voit bien cette phase de correction qui s'est mise en place. Donc ça va être intéressant peut-être d'établir une stratégie de vente. Donc le premier point de sortie, il est là. Alors après, si on veut des précédents plus hauts, il faut revenir à pas mal de temps en arrière, parce que il faut revenir jusqu'à fin 2010. Donc on aurait les 4200 qui sera un bon niveau de sortie. Donc on va mettre à 4200 le second point de sortie. Alors, voilà. Donc ça s'est placé. Et on termine. Ben on va voir ça. Et donc le dernier stop, il pourrait être... j'avoue, 4200, c'est pas mal. Donc après, ça va pas être un stop précisément technique, parce que ça serait trop loin. Il faudrait remonter jusqu'au 4600 quasiment. Je crois qu'on va juste le mettre à 4400. Voilà. Histoire de limiter. Et on prendra une décision en fonction du contexte dans lequel on est. Mais là, pour vraiment assurer un scénario catastrophe, on met quand même 4400 en stop loss général. Alors là, on va pouvoir calculer rapidement le money management, voir si c'est respecté. Et puis, on aura fini avec cette position sur le CAC. Alors, on a 1€ du point, ça va être très facile à calculer, tant mieux. Alors, sur le CAC, on est donc rentré à 4041. Notre premier point de sortie est à 4135, donc 4041, 4135, ça fait environ, on va dire, 95 points, divisé par 3, ça fait 31€ sur le premier stop. Deuxième top est à 4200, on est rentré à 4041, donc ça fait 160,
Donc 160 31 160 divisé par 3 plus 31 égale 84 et enfin on termine avec un stop. Merde putain, faut que je fasse attention à ça, ne pas fermer des trades sans faire exprès. Bon là c'est bon, je l'ai pas fait. Alors donc 84 et donc le dernier il est à 4400, donc ça fait 360. Donc 360 divisé par 3, 120 plus 84 égale 202. Donc on a un risque total sur cette position maximale de 202 euros, soit moins de 2%. Donc on est tout à fait raisonnable. On pourrait même augmenter un peu le risque, mais bon, ça va m'aller. Et ça se passe bien. Bah, si on revient vers les 3006, qui est vraiment le scénario exceptionnel, donc ça ferait un profit de 440 euros, hein, environ. Donc on aura un objectif deux fois plus grand que le stop. C'est un bon scénario, il n'y a pas beaucoup de risques sur cette position. Ça fait un peu doublon avec une autre position qu'on a sur le Dow Jones, puisque les marchés actions, que ce soit européens et américains, sont corrélés, donc ça ne me dérange pas de ne pas avoir pris trop de risques. Donc ça me va bien comme ça. En tout cas, tout est en règle, tout est en norme, et on peut enchaîner. Alors le DAX, on a choisi de vendre le CAC. Alors on avait vu que le CAC avait surperformé, maintenant il sous-performe. Le DAX qui avait sous-performé, maintenant surperforme. On a tendance à avoir moins de volatilité en vérité sur le DAX, c'est surtout ça. Donc les mouvements sont moins excessifs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, sur le DAX que sur le CAC, donc moins de volatilité. Ici, sur le Dow Jones, on est toujours à la vente, là on a des acheteurs qui reviennent assez franchement, sur le S&P. Le pétrole, on a tenté de casser les précédents plus haut, ça n'a pas fonctionné pour le moment, on est un peu hésitant. NZDCHF, très belle impulsion baissière, c'était l'ami Over qui avait pris un achat, mais là au contraire moi je vais vendre, hein. C'est une très belle impulsion. Hier j'avais dit, j'étais même plutôt vendeur, hein, j'avais dit, mais j'avais pas pris la position parce que c'était pas suffisant, dommage, mais c'est la vie, on peut pas savoir. Là très belle impulsion, tac, 0,1 lot à la vente sans hésiter, là il n'y a pas de souci. Énorme impulsion, moi je suis, hein. Mais d'ailleurs je peux me faire niquer, on voit ici on avait une très belle impulsion, derrière ça s'est retourné, c'est la vie, mais en tout cas moi je prends ça. C'est vraiment ce que je cherche. Donc un mini lot, NTDSHL, je suis pris un sacré spread quand même, hein, avec ce mini lot, parce qu'on perd 3,57€. On va planifier nos points de sortie. Donc si ça se passe mal, je couperai un tiers au niveau des 0,7567, donc à 0,7575. Voilà. Alors, on aura un second point de sortie en cas de cassure des précédents plus haut ici, donc à 0,7665. Donc, on va mettre le stop à 0,7675. Tiens, ça fera 100 points d'écart précisément. Voilà. Et enfin, le dernier niveau, ce serait donc la partie haute ici, 0,7868. Pourquoi pas, ça fait un peu haut. Mais bon, ouais. 0,7845. Ok, voilà. Donc là, on va calculer en termes de money management. Alors là, vu que c'est une paire, bah, tant mieux, on va pouvoir utiliser le fichier fourni par Nico. Et malheureusement, on n'aura pas l'opportunité de faire beaucoup plus. Bon, je vais quand même finir, hein, malgré qu'il soit tard. Mais on va pas aller regarder les devises émergentes, c'est ce que je voulais faire, pour avoir des belles opportunités. Mais après, j'ai trop dépassé le temps de l'émission, donc à la limite, je le ferai hors émission pour respecter le timing, et on en parlera davantage demain. Alors, qu'est-ce que je voulais me voir? Ah oui, alors, outils. Ah, il est où le lien? Bon. J'ai mis dans apprendre, non j'ai mis dans stratégie trading. Je vous laisse le lien également vers l'outil d'aide au money management qu'a réalisé Nico. Je vous laisse le lien, il a publié sur le forum, merci à lui. Ok.
Donc là, il s'agit d'une prise de position à la vente sur NZDCHF. Voilà. Il s'agit d'une position de 0,1 lot. Donc là, ma valeur vaut 57 centimes d'euros. Donc j'ai pris quand même un sacré spread là. On va regarder tout de suite de combien il est. Il y a une grosse volatilité, donc ça peut se comprendre. Mais là, on avait 25,30. On avait ouais, voilà, en gros 4,7 points ou 4,8 points de spread. Oui, c'est pas mal. Hein, 4,8 points de spread sur NZDCHF. Ce qui explique donc ces 3,50 euros. De pertes qu'on avait eu au départ, au moment de l'ouverture. Capital en euros, donc 10 000. Cours du donc 0,7330, est-ce que c'est bien ce cours-là? 0,7330, 0,7326, donc on est à peu près dans ces montants, entre l'offre et la demande, pas de problème. Donc il s'agit d'un cours d'ouverture à 0,7326. 13, 25, 6. Ok. Il s'agit d'une position à la vente avec les stops placés. Alors, le premier tiers à 0,7575. Deuxième tiers 0,7675. Et le dernier tiers de la position, c'était. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Dernier tiers, c'était 0,7845. Ok. Alors, en termes de volume, donc c'est 0,03. Et merde, c'était un short, pourquoi j'ai fait ça? Bon. Ok, alors 0,7675 et 0,7845. Et 0,04. Ok. Donc là, tout est paramétré. Et donc, je vois que j'ai un pourcentage de risque maximum par rapport à cette position de seulement 1,63%. Donc, sur un capital de 10 000 euros, en plus, on a plus que ça. Hein, parce qu'en vérité, on a 10 400 là. Voilà. Donc, en vérité, on a un risque maximum de 1,56%. Donc là, on n'est pas de problème. Hein. Limite, même, je pourrais augmenter l'exposition. Et on a un gain potentiel maximum. Alors l'objectif, je ne l'ai pas encore, je vais le regarder. Donc là sur NZDCHF, déjà l'objectif pourrait être simplement le ralliement des précédents plus bas. Donc il pourrait être vers les 0,7170, on va prendre. Voilà, et donc un gain de 1,21%. Si on atteint cette zone des 0,7170, qui est une zone de référence, mais on ne sait jamais où ça va être pris hein, les profits, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a que les stops, donc les limites des scénarios mauvais qui sont clairement placés, parce que psychologiquement, c'est pas facile à gérer, à respecter. Et en plus, je ne suis pas toujours devant l'écran, puisqu'on s'en rend plusieurs fois. Alors que le tech profit, ça ne me dérange pas du tout de laisser courir un gain. Hein, comme on dit souvent, laisser les belles plantes pousser et couper les mauvaises herbes. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'était une citation d'un trader. Voilà, donc voilà, l'outil a bien fonctionné et on sait qu'on respecte le money management. Alors on termine. L'étude des graphes, NZDCHF. Alors, AUDUSD, on est déjà en position à la vente. Ah ben là, on a coupé finalement. Bon, l'impulsion est plutôt baissière, mais j'ai préféré prendre mon bénéfice et laisser courir NZDUSD. Pas de regret particulier. On a pu laisser courir, c'était pas incohérent non plus. Mais voilà, j'ai coupé, c'est un choix. Alors, euro, franc suisse, je prendrai les impulsions haussières. Là, on a l'impulsion baissière, pas de prise de position. USDCAD, intéressant. Intéressant l'USDCAD parce que la dynamique de fond est haussière, on est sur une phase de repli. Bon, c'est pas évident non plus parce que les précédents plus hauts n'ont pas été fameux, donc je vais pas prendre de position.
NZUSD, on est vendeur et ça se passe très bien. Donc voilà, on a déjà pas mal de positions ouvertes, on a fait un bon boulot. Je vais essayer de regarder les devises émergentes tout à l'heure, c'est vraiment des choses intéressantes, et sinon on en parlera plus en détail demain. Alors demain, gros rendez-vous à 15h, on aura Pascal Caron responsable, donc tonton, hein, pour ceux qui connaissent sur les forums, etc., qui est vraiment un gars reconnu en tout cas, qui trade avec les figures harmoniques pattern, qui était vendeur sur l'argent, alors que beaucoup étaient plutôt acheteurs, en tout cas qui avaient des seuils très précis qui ont été atteints, qui a une vision très claire, qui fait régulièrement des analyses, que je publie d'ailleurs sur videobourse.fr, pour trouver sur son blog. Je vous laisse le lien, blog ou site, vous pouvez le retrouver, et demain à 15h il sera en live sur Videobourse. Alors, je ne sais pas combien de temps durera l'interview, peut-être une demi-heure, peut-être une heure, peut-être plus, ça dépendra de lui, moi ça ne me dérange pas. Elle sera disponible ensuite en différé, donc rendez-vous demain à 15h pour l'interview de Tonton. Autrement, une autre information, vendredi en début d'après-midi, je ferai une interview un peu comme celle que j'ai fait de Benoît ou celle que j'ai fait avant de Benoît Fernandez-Rioux pour une tradeuse qui s'appelle Caroline, je ne me rappelle plus de son nom, mais Caroline, son prénom, et qui est responsable de Psychotrade. Alors c'est un site intéressant, psychotrade.fr, il y a aussi format trading qui est lié, mais vous retrouverez tout sur Psychotrade, je vous laisse le lien. Et donc une tradeuse d'expérience, puisqu'elle a une décennie d'expérience sur le marché, elle vit du trading. C'est pas quelqu'un qui débarque, ce sera une interview intéressante. On en prendra en détail sa manière de voir le marché, sa méthode pour être positive et vivre du trading, pour être positive sur le long terme d'après les performances et vivre du trading. Elle insiste beaucoup sur l'aspect psychologique, donc sûrement on parlera beaucoup de psychologie par rapport au trading. On parle également de sa stratégie, de l'approche qu'elle a, et en fait de sa manière de voir le marché, parce que j'essaie de laisser le plus possible la parole aux intervenants. Donc ça sera assez intéressant. Après, le temps que je fasse le montage et tout, ce ne sera pas disponible avant la semaine prochaine. Donc actuellement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 positions ouvertes, c'est beaucoup. Chaque position, le panier est assez équilibré dans l'ensemble. D'un côté, donc on a une vente sur l'or, donc on achète du dollar. De l'autre côté, on vend du dollar face à la livre turque. On a de l'achat du VIX. On a de la vente du dollar australien face au dollar canadien. On a de la vente du NZD face au franc suisse. On a de la vente du CAC 40. On a de l'achat de l'euro face au dollar canadien. On a de l'achat de l'euro face au dollar américain. On a de la vente du dollar néo-zélandais face au dollar américain. On a de la vente du Dow Jones. Donc on a certaines positions qui peuvent faire un peu doublon, mais dans l'ensemble c'est un panier très équilibré, donc ça c'est plutôt positif. Et individuellement, chaque position est bien réglée et respecte les normes de money management propices et adéquates par rapport à la gestion de ce compte. Donc tout est ok, on a fait notre travail à ce niveau-là. Alors je fais un dernier point sur ce qui est sur le chat écrit, et ensuite on se laissera, parce que ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble, on a largement dépassé l'heure habituellement admise. Alors, ça on avait vu. Alors il y avait Watermelon qui disait AUDGPY, une nouvelle opportunité de trading, miser sur une cassure du range 88 yens à 88,40. Alors je vais regarder ça, Water, parce que tu le donnes, donc je vais pas passer à côté, tu fais l'effort de participer. Donc AUDGPY, donc le dollar australien face au yen japonais. On va aller regarder ça. Voilà. On se met en grave journalier. Donc ici, moi en journalier, je ne vois pas vraiment de range. Je vois plutôt un élan baissier. Si on monte sur le plus long terme, c'est un élan baissier qui fait suite à un élan haussier. On est dans une zone qui était pas mal travaillée. Une impulsion baissière sympa ce jour. On l'a fait également sur les autres paires océaniques, relatifs en tout cas aux devises océaniques, hein, que ce soit NZD ou AUD, c'était plutôt une impulsion baissière. Voilà, tendance plutôt baissière, phase de repli, vendeurs qui reviennent, c'est pas mal. Bon, j'ai fermé sur AUDUSD, c'est un peu le même salon, donc ce sera pas pour reprendre ici, mais voilà, si je devais avoir un point de vue, si on m'obligeait à placer de l'argent, ce serait à la vente. Pour l'instant, je vais pas le faire, parce que je pense qu'il y a des meilleures choses à faire ailleurs, et à la limite, j'aurai une confirmation plus nette, avec plus d'impulsion, pour prendre position dans le sens du marché. Voilà. Alors ça, on avait vu. Voilà, pour te répondre au Quatermelon. Ça, on avait vu. Et Fixeur qui disait pour l'or, je vois ça. Alors, on nous partageait un lien. Merci à Fixeur. Alors, sur l'AUD, sur le XAU, donc l'or face au dollar américain, dynamique de fond baissière ici en graphique journalier, retour des acheteurs, changement de tendance au moment où on casse les précédents plus hauts. Donc, pourtant, maintenant, on est repassé en tendance haussière. Et donc, tu auras un biais plutôt haussier.
avec pour objectif les précédents plus hauts, donc les prochaines zones de résistance. Ce moment, c'est là où j'ai placé mes stops. Donc au niveau des seuils, on est d'accord. Par contre, au niveau du sens, moi, je maintiens un biais baissier, parce que pour moi, la tendance de fond reste vendeuse. Donc pour toi, là, les objectifs, si tu achètes, peuvent être 1419. Donc c'est quoi? Si on casse, tu rachèterais, c'est ça? Ensuite, donc tu pyramiderais. 1475, si on casse, tu rachèterais également, avec un objectif global à 1541. C'est ça que veut dire ton graphique affixeur? Alors, Karine qui disait, je vous laisse mon petit lien histoire de me la raconter un peu au cas où le compte finit par cramer, disait Karine en rigolant. Dernière mise à jour jeudi dernier, on va aller regarder ça. Tiens, t'as reparlé un peu sur mydaytrading.fr qui était un blog très intéressant de Karine qu'on avait l'habitude de suivre régulièrement, et sur donc InstaForex, voilà le suivi. Donc c'est vraiment excellent. Donc déjà, à deux éléments. Déjà, premièrement, on voit que la courbe verte qui représente la balance et progresse régulièrement, donc c'est très bien. Mais en général, ce qu'on a sur les comptes, parce que alors, la majorité des traders particuliers notamment perdent de l'argent, c'est qu'on peut avoir une belle courbe de balance, mais une équité qui va mal. Et bah lui, c'est complètement l'inverse. Déjà, la courbe de balance va bien, mais en plus de ça, l'équité explose complètement la balance. Donc c'est vraiment des profits qui sont très significatifs. Bon, c'était un petit compte au départ hein, de 200$. Actuellement, il a 775$ si tu fermes, donc ce serait déjà un beau profit. Et si tu continues comme ça, ça va être vraiment excellent. Donc si tu veux nous en dire un peu plus, ou en tout cas je pense qu'on a plus d'informations ici, et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez également, voilà, il donne quelques informations ici, quelques éléments, vous pouvez poser vos questions directement en commentaire, en réponse à cet article sur son blog, je pense qu'il sera même à vous répondre davantage sur son blog, à cette adresse, donc je vous invite à consulter ça, je vous remets le lien, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sinon vous l'avez publié sur le chat écrit. Alors ça on avait vu, dernière vidéo, mise à jour en temps réel. Donc voilà, sur la InstaForex directement, il y avait la mise à jour en temps réel avec ses prises de position. Non, il n'y a pas les prises de position. Ah si, si. Account, share, permissement, trader activity. Non, je sais pas s'il y a voilà, profit, pourcent. Enfin, il y a plein d'informations. Donc là, vous l'avez plus en détail. Pareil, vous retrouvez ça sur le chat écrit. Un compte pour faire mumus, je préviens. T'as un dragon important là-dessus, Karim, ou il est bien géré? Je dis que c'est pour t'amuser. Mal qui disait, tu pourras dire à tonton pourquoi il restreint son Twitter. Bien sûr, bah, de toute façon, demain, si vous êtes là à 15h, sera l'occasion de lui poser vos questions. Et s'il y a des questions que j'ouvre un sujet sur le forum là tout à l'heure, que vous voulez lui poser, mais que vous ne serez pas disponible demain à 15h, donc vous regarderez l'interview en différé si ça vous intéresse, parce que ce sera repris sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Vous pouvez préparer les questions sur le forum et j'essaierai de lui transmettre le plus possible s'il est à même à répondre aux questions, etc. Karim qui disait, et pour te répondre sur la stratégie Fab, rien ne change, je travaille toujours de la même façon, même si là c'est toujours du long terme, j'étais rep ici d'ailleurs. Ok, voilà donc Karim qui apporte ta réponse sur le forum, j'avais posé la question, merci Karim pour le lien. Watermelon qui disait en 5 minutes, donc il y avait un lien qui était partagé, un lien vers Daily FX. Donc il y a Nicolas Chéron qui publie un article sur l'AUDGPY, justement dont parlait Watermelon. Bah, j'irai lire ça, on va pas avoir le temps de lire directement, mais point de vue de Nicolas Chéron, donc sur les forums de Daily FX, donc toujours avec des analyses judicieuses. Ça on avait vu. Pour les amoureux des métaux, je vous laisse ma dernière prévision, pardon, sur le blog de Karim. Donc là pareil, hein. Si vous voulez des informations sur l'argent, voilà, on va la regarder rapidement parce que là c'est beaucoup plus court que celui de Nicolas Chéron, sans faire de discrimination, c'est juste que là du coup il est déjà tard, donc lire l'analyse complète ça va être assez long sur Daily FX, donc là quand même c'est beaucoup plus court, donc rapidement, Silver, donc ça a été seulement le 29 juillet, mais c'est toujours de mise a priori, donc c'est objectif 26, objectif 2,35, objectif 3,49, objectif 4,98, donc un billet clairement haussier, après plutôt long terme, sur l'argent. Un billet, oui, clairement acheteur. Hein. Alors, même si je n'exclus pas un retour à court terme vers les 18,19, ce qui est le cas actuellement, histoire de nettoyer un peu le marché, cassure par le bas violent du canal haussier, voire photo, voici les objectifs fixés pardon, pour la suite sur l'argent. Une zone de résistance intermédiaire également à noter, à court terme à 22, point de support vraiment important qui a tenu presque 2 mois avant de lâcher. C'est la réintégration de ce support qui devrait nous projeter sur 26 assez rapidement. À court terme, nous sommes dans un canal haussier à faible pente, rien de bien folichon, mais le marché est haussier.
Voilà, donc il y avait un graphique qui était partagé. Pour lui, on était dans une partie basse, hein, 16,91. Il y avait peu de chances qu'on aille. Enfin, on était vraiment dans une partie basse et on n'était pas allé en dessous depuis un bon moment. Et là, il aura plutôt un biais acheteur et une stratégie qui sera mise en place dans ce sens-là. Est-ce que tu... Ah oui, donc c'est ça que tu as joué dans le cadre du compte, essentiellement. Bon, là, je suis à 820$ aujourd'hui. Ok, bah, excellent pour toi, bravo. Interquisé, merci. Ok. Bah, le reste, c'était bon. Merci à tous pour votre partage et votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah, 19h37. Je vais finir, voilà, pour pas qu'il y ait de déçu, par lire l'analyse que nous a partagé Watermelon également. Voilà. Alors, c'est quoi ton pseudo sur le forum Watermelon? Pour que je retrouve, parce qu'en fait, je crois que c'est Nicolas Chéron. En fait, non, tu nous partageais autre chose. Donc, sur le chat écrit, voilà, je viens juste de me positionner short sur cette paire. Bonjour à tous, je suis sorti de mes ventes. Je suis désormais long pour le moment. La cassure du range de 40 points à surveiller. 88, voilà, ça doit être ça ton message. Donc, il y avait un graphique, j'arrive pas à le voir en grand quand je vais zoomer. Ok. Alors sur AUD, GPY, je suis sorti de mes ventes, je suis désormais long pour le moment, la cassure du range de 40 points à surveiller. D'accord, alors attends, t'étais vendeur sur quel critère et... Ah oui d'accord, on voyait ici, donc t'avais vendu là, donc il s'agit d'un graphique, je sais pas, c'est un graphique en quelle unité de temps et quels étaient tes critères d'entrée là sur les ventes, est-ce que c'est parce qu'on était sur une zone de résistance ou dans la partie haute? Alors ensuite, on a eu une belle accélération baissière, t'en avais profité. T'avais racheté, et là pour le moment, on était plutôt mitigé, mais ça se retournait, ça peut commencer à se retourner, donc c'était des points d'entrée tout à fait intéressants et positifs pour le moment. Et t'aurais pour objectif, en fait, une évolution en range, et donc là, un retour dans la partie haute du range, hein, si c'est bien ça. Alors en revanche, si on sort du range, comme tu dis, il faut surveiller la cassure, si on sort, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis les impulsions? Parce qu'on a un range de 400 points a priori, d'après ce que tu nous indiques. Donc est-ce qu'à ce moment-là, tu arrêtes de jouer le scénario de range et tu prends ton stop-loss, donc ta perte sur la position que tu auras en cours, puisque tu as utilisé une stratégie de range, donc c'est-à-dire d'achat sur niveau bas, donc proche de la zone de support, et vente sur la zone proche de la zone de résistance. Si on sort, donc tu stops, je suppose, ce scénario, et tu joues l'inverse, tu joues l'impulsion et la reprise de la tendance. Tout à fait, disait Watermelon, voilà, donc c'est ça. C'était connecté. Ahmed Abdelmalek, c'est la première page. Voilà, d'accord. Ok, Watermelon. Alors, au début, j'avais pas compris. Membre du DFX Forum français, ok. Ce que tu voulais nous montrer, je croyais que tu voulais montrer une analyse de Nicolas Chéron parce que, bah, tu sais, sur DFX, le forum peut s'organiser de plusieurs manières. Et moi, en fait, qui ressortait au départ, c'était une analyse de Nicolas Chéron. Donc voilà, du coup, c'est parfait. On a pu voir le point de vue de tout le monde. Je pense qu'on a eu des discussions intéressantes. Dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps pour voir les devises exotiques, notamment brésiliennes, dont il parlait là, du côté de l'agence France Presse sur Romandie. Il y a d'avoir de la volatilité, donc sûrement d'autres choses à faire. Autrement, le travail a été fait. Donc je vous retrouve demain à 15h pour une interview de Pascal Chéron, donc alias Tonton, à propos des figures paterharmoniques. N'hésitez pas à poser vos questions et si vous n'êtes pas là, les préparer sur le forum, je les transmettrai. Bonne soirée à tous, bon trade. À demain, donc 15h, puis 18h, de 18h à 19h, comme d'habitude. En direct sur videobourse.fr. Ciao sur le Mumble. Bonne soirée à vous. Bah, bonne soirée à toi, Liva, parce que Mips et Vincent sont sur l'autre salle. Merci pour ta participation, Liva, et pour tes points de vue.